Hey, salut les gens, c'est Slam, on se retrouve sur Frostpunk 2, dernier jour pour utiliser le code GAMESPLANET. N'hésitez pas à vous en servir, vous l'avez déjà vu plein de fois, ne vous l'affiche. Ré probablement pu, quoi qu'il en soit, il est toujours dans la description, hein. Donc ici, l'enfer blanc, c'est plus aussi impressionnant que dans Frostpunk, hein. Regardez, c'est une vague là. Ça y est, elle est déjà passée là, vous voyez. Impressionnant, hein. 25 000 de réserve de marchandises. Faudrait que j'aille voir si c'est bon. Et la montagne noire, on la cherchait. Et ben c'est ici, c'est un puits de pétrole. Faut le relier. J'ai pas de sous pour le faire, mais je le ferai. Attends. C'était ça, non? Oui, c'était. Ah, il y a un autre truc là ici. Ok, il nous éclairait, il produit un éclairage, une chaleur immense avec un peu de pétrole. Les plans des radiateurs. Ok, bon. Là, je le savais déjà tout ça. Donc, l'enfer blanc arrive bientôt là, mais vous voyez, il sera aussi bientôt passé pour le coup. Établir un avant-poste, c'est dans la tempête. Moi, je voudrais utiliser mon argent là pour finir de nettoyer un petit peu la ville dans ce coin-là. Chaque semaine, je vais faire un petit peu. On est à moins 38, on aura donc bientôt réglé le problème. Non, non, non! Que c'est que ces 3500 là? D'où ça vient? Pas demain la veille qu'on aura fini de régler notre problème d'habitation. Le problème, c'est qu'on va avoir des malades. Ok, bon, c'est la vie ça, pour le coup. J'ai pas de sous. Donc je peux pas relier le truc. On va s'occuper d'abord de. Je vais peut-être récupérer un peu de sous aussi. Recyclage de chaleur. Oui, mais moi je voulais pas. Mais ils vont me la mettre en permanence, la truc. En même temps, c'est le bon moment pour passer cette loi. Un peu moins de production, un petit peu plus de chaleur, juste avant l'enfer blanc. Ils sont plus intelligents que moi. Donc j'ai pas de sous, je peux rien faire. Faut dire qu'on a des grosses pertes de sous, à hein. Moins 15 dû au fait que ces gentils gens. On a la cérémonie et les tours d'habitation. C'est surtout la cérémonie qui picote, hein. J'aurais bien aimé avoir l'info avant de précisément combien ça va coûter, quoi. Là, je me sens un tout petit peu mis au pied du mur. Et il y a un mur qui picote, hein, pour le coup. Encore du pétrole, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? À court, camp de chasse, très bien. Là, je récupère des explorateurs. Est-ce que je peux m'en servir pour faire quelque chose? Je vois plus grand chose à faire, hein. À part activer ou désactiver des trucs. La plupart des femmes refusent d'abandonner leur fils et leur mari. Le retour des voiles, d'accord. Ils sont dans la lune. Bon, du charbon. J'ai du charbon et du pétrole à relier. Pour l'instant, j'ai pas de sous pour ça. Bien, alors, ici. Je ne peux pas l'agrandir, je ne peux pas l'agrandir.
On ne peut pas l'agrandir. Celui-là et celui-là non plus. Celui-là, je peux l'agrandir. Dans l'idée, celui-ci, il pourrait coucher que deux trucs. Donc ça sert à rien que j'ai des choses ici. Parfait. Va falloir faire encore des tours d'habitation. Et puis d'autres. Et puis carrément ici, on va en faire d'autres. On va faire trois trucs reliés. Lui, il est allumé. Alors, c'est joli, hein, mais on voit pas grand-chose, on comprend pas grand-chose à ce qui se passe, hein. Vu du dessus, ça n'a aucune clarté en fait, hein. En fait, c'est presque plus clair quand c'est comme ça. J'aurais préféré que la map finalement soit comme ça pour pouvoir travailler. Alors, ressources. Siri s'est réchauffé. Nouveau modèle de travail. C'est une idée radicale. Travailleur alpha. Production de ressources significativement augmentée, besoin de chaleur diminué dans tous les districts et bâtiments. Waouh! Ok. Personne d'autre ne partage cette idée. Tu m'étonnes, c'est quoi si c'est? Ils pousseront à exploiter tout leur potentiel. Waouh, ça picote un peu les évolutionnistes. Hein. Ouais, on va se calmer quand même, c'est une idée un peu trop radicale. Là, on va vers la nourriture, vers le charbon, vers les matériaux, vers les matériaux. La ville logement pour les ouvriers, tiens. Répartition des logements. Colocation forcée, tension faiblement augmentée. J'aime pas trop ça. Logement au mérite. Abri fourni par les districts résidentiels, légèrement augmenté. Revenu des thermothécap, légèrement augmenté. Bah c'est quoi? En quoi c'est mauvais ça? Je vois même pas comment ça pourrait être une mauvaise idée. Allez, on y va. Faut que je fasse les deux trucs qui sont ici. Alors, faut pas que je me loupe. Ici, c'est les deux cases. Là, il y a un truc qui va toucher celui-ci. Pas de souci. Et il faut que lui, il ait au moins trois cases. Donc ces trois-là. Donc voilà où va se trouver mon district résidentiel. Ça n'a rien de toucher celui-ci. Mais il faut quand même que je le touche. Voilà. Pas. Je touche que deux cases, donc il faut que j'occupe celle-là. Ok. Donc si je le mets là, celui-ci, il fait trois cases et l'autre il va venir ici. Il faut qu'il ait ces deux cases qui sont là. Très bien. Ça marche, les deux là. Donc celui-ci, il voit bien trois cases. Il faudra qu'il voie ces trois cases-là, on est d'accord, hein. Donc là, il va falloir qu'on touche ici, qu'on se relie. Voilà. Toi, tu vois ces trois cases-là. On est d'accord. Après, il va falloir s'étendre. Pas de souci. Ok. Les tours d'habitation. C'est pas pour tout de suite. Croissance 20%. Ok. Plus les conditions de vie s'améliorent, plus la mortalité infantile baisse et la ville attire des étrangers.
Ouais, c'est ça, carrément. Alors, chancelier d'échiquier, il y a des revenus d'au moins 50 thermotickets. Oh. Ah, ça c'est fini, la commémoration, machin. Bah, c'est pas trop tôt. Je viens d'avoir un achievement. Jeunesse serviable, tension légèrement diminuée, excellent. Donc ça va gérer les logements et augmenter les thermotickets. Ben alors tant mieux. Je vois pas encore la différence. La recherche assignée améliore les relations. Ok, logement pour les ouvriers. Village ouvrier construit dans les districts alimentaires, extraction industrielle. Très bien. Dortoir construit dans les districts alimentaires, extraction, d'accord. Ça c'est comme les tours. 20 abris, 10 besoins de chaleur. Production de ressources légèrement augmentée, on paye. Et ça, c'est la maladie, mais 15 abris. Donc c'est clairement moins bien, on va faire ça. Et on aura toutes les armes pour gérer nos logements. Alors attention, parce que là, clairement, lui, il faut que ça touche 3 cases. Donc de mémoire, il faut... Enfin, c'est pas de mémoire, il faudrait que je mette au moins une case ici. Mais il faut que ça touche 3 cases de l'autre aussi. Je pourrais mettre une case là. Ça toucherait ces deux cases là. Le truc, c'est que je pourrais venir ici, toucher celui-ci. Ensuite. Donc là. Toc toc. Voilà. Allez, on touchait déjà. Non, ça c'est un autre. Et après, on fait ce qu'on veut. Du coup, je peux me mettre là. Est-ce que l'enfer blanc, c'est tout de suite? C'est pas tout de suite? Non, c'est pas tout de suite. J'ai toujours pas de sous. On va attendre un petit peu. Moins 940. Vingt-huit semaines, ça va, on est tranquille. Alors. Comment ça, il y en a que plus, il y en a qu'un seul. Pas. J'arrive pas à comprendre. Si on a déjà plus 40 du prêt des... Très bien. Donc là déjà. Hop, un plus 20. Ouais, c'est parce que je touche celui-là, c'est ça. Ok, mais ça, on va pas l'améliorer, ça. Par contre, ici, on pourrait laisser des trucs et donc remplir ça. Et celui-là, de toute façon... On est d'accord qu'il a son plus 40. Tout à fait. Voilà, bon. On va leur mettre un petit pôle de chauffage. Logement méritant. Ils sont pas d'accord, donc je vais négocier avec les étendiens. Usine de remise à neuf des marchandises.
Socle de reconquête. Ah bah voilà. On retourne sur la loi d'avant. C'est ma promesse. The proposed law has been approved. Bah il faudra le promulguer pour le coup. On a moins 4 ici, on est en train de développer les trucs. Donc au final, on est à plus 8. Ayez 10 districts affectés par des pôles. Waouh, Cornish Mountain. Comment je fais pour afficher le truc que... Ah, je crois que c'est sur ma fenêtre. Attendez, c'est à droite qu'il faut que je fasse ça. Où c'est FP2, voilà. Propriété. Capturer. Fenêtre. Alors, faut que je coche, voilà. Limiter la fréquence d'image. Non, c'est pas ça. Capturer les surcouches tierces, voilà. Ok. Bon, bah, vous aurez plus que les nouveaux achievements. Faut que je pense à faire ça. 3400. Je peux durer que 6 semaines. Donc, eh bien écoutez, c'est le moment ou jamais de réactiver ça. Ensuite, je crois que c'était ça, hein, c'est ça? J'ai pas assez de sous, c'est ça? On va attendre un petit peu. J'ai pas une liste des trucs qui sont désactivés, c'est dommage. À l'arrêt. Mine du capitaine désactivée. Ouais, faut arrêter là. C'est pas méchant, si méchant que ça. Alors, quelle température il fait? Ah ouais. Ah ouais, le moins 60, c'est quand même un moins 60. Et ça n'a pas l'air de durer 6 semaines du tout. Alors. Ok. Il fait moins 100 degrés, moins de 300, donc c'est 180 de chaleur. Ah ouais, ça picote hein, quand même. Bon, alors on va voir ce qu'on peut faire. On va déjà aller à l'autre. Ici, ça n'a pas l'air d'être un problème. Donc on va transférer du pétrole. Et retransférer du charbon. Parfait. Très bien. Donc là, moins 1600, plus 750. Donc là, dans 4 semaines, c'est fini. Ça commencera à pomper là-dessus. Ça va, détendez-vous. Moi, je dis que ça va passer. La bouffe. Hein. La bouffe, on avait tout coupé. On va réactiver 2-3 babioles.
Surtout que c'est en train de tomber en panne. Le problème de la bouffe, là, par contre, c'est que je sais pas trop comment je vais en faire, en fait. Parce qu'au final, n'y a pas beaucoup d'endroits où je peux en faire. C'est des districts qui vont finir par être vides. Donc faudra qu'on m'explique précisément comment je vais faire pour la bouffe. Parce que là, j'en produis de la bouffe, mais clairement pas assez. Il faudrait des bâtiments pour améliorer ça en fait. Peut-être des recherches. Super. Alors ça fait 20 abris. Ça fait 20 abris. Ça coûte 10 chaleurs, production de ressources. Donc c'est nettement plus intéressant pour moi à faire maintenant ça. Par contre, ça utilise 100 de main-d'œuvre et ça 50 de main-d'œuvre. Dans tous les cas, ça utilise un thermotiquet. Très bien. Rendement de la nourriture. Sélection des cultures. Et je sais qu'on va tomber à zéro, mais c'est pas un problème. Heureusement, on ne dépend pas que du pétrole. Moins 2000, 13 semaines. Alors 13 semaines, c'est loin d'être ce qu'il faut pour que ça remonte là. Il va falloir que je fasse quelque chose. Comme par exemple, venir ici. Pas terrible. Je pourrais partir de là. Ça fait 5. Donc c'est mieux de là. Super. Ici le charbon. Ok, 200. Ça va, ça me va. Non, ça sert à rien que j'enlève la pause. Allez hop. Parfait. C'est relié.
Ça c'est bientôt fini, ça c'est quoi? Ça c'est du charbon. On le réactivera bientôt. Parce qu'il sera plus dans la tempête. Ok. Alors. On peut l'améliorer. 187. C'est toujours ça de gagner. Je me disais qu'au niveau des recherches. Ah, où est-ce que c'est? Ici. Moins 2000. Combien il te reste de semaines? 11 semaines. C'est pas suffisant. Ah, je pensais que ça serait plus facile. Au niveau des recherches, je peux peut-être faire des bâtiments qui améliorent ma logistique pour recevoir plus. Je peux peut-être déjà en faire, en fait. Logistique. Les 4 frais apporteurs. Et le truc augmente de 20%, mais les 4 frais apporteurs, moi je l'ai pas fait. Donc on va attendre de voir ça. Je sais pas si ça aura un effet là, on verra. Équipe d'éclaireurs, je pense que j'en ai plus besoin d'autant. Pas sûr que j'en ai plus besoin d'autant. Mais là, j'ai un emplacement vide. Donc je pourrais faire mon éclair. Comme ça, c'est relié à rien. Je peux faire des équipes d'éclaireurs là-bas, les supprimer là-bas. Je peux les supprimer tout de suite. Sélection des cultures. Maintenant, ce que je pourrais aller chercher, c'est... Accès à la vapeur, ce sera pour plus tard ça. Qui concerne la production de chaleur du type combustible sélectionné. Ben on va aller voir ça. En attendant ici. Sur multiplicateur. Ah, c'est là la séance du conseil. Qu'est-ce que ça fout dans le district central? Augmente efficacité, mais on augmente l'usure. Une usure maximum entraîne à des dysfonctionnements et pourra provoquer des incidents mortels. Ok, là on gère beaucoup mieux, 23 semaines. On va y arriver. J'aurais dû mettre le surmultiplicateur beaucoup plus tôt. Là j'ai encore beaucoup trop de nourriture. 530 de nourriture en trop. Ça va pas changer ma vie. Ah ben voilà 500. Réactive les 75 là. La recherche. Ville. Alcool. C'est pas vraiment ce que je souhaitais. Pôle. Prison. Procréation. Médicaments. Alors les médicaments, ça peut être une bonne idée. Les pôles. On sait que c'est toujours utile pour baisser la maintenance, les combats pour le ferroviaire, pour les communications. Confiance dans les districts environnement est augmentée. Ouais. Ils ont confiance. Pour l'instant, ça c'est pas une priorité. Je pense que je vais aller chercher ça. Les hangars de récolte ou les hangars de récolte à triage. 20% d'efficacité de la récolte, 10%. Je préfère 20%. Hein.
C'est quoi la différence? Fin de se ramasser. Accélérer l'accueil de la nourriture. Trier dans des salles correspondantes. J'arrive pas à comprendre. Ben, ça sera ça. Mais c'est pour la nourriture. Donc, dans l'idée ici. Moins 150, hein. Ça va? Bon, on est cool. Et là, on va faire le quai à porteur. Ah, on en a deux. Je sais pas si c'est utile. C'est quoi cette capacité d'aérotram? Alors ça, c'est pas très clair, la capacité d'aérotram. D'accord. Si, si, c'est clair maintenant. Une route commerciale permet de transférer jusqu'à 1200 de n'importe quelle ressource. Je pense qu'on a fait assez de capacité d'aérotram. Donc là, on va faire le quai à porteur. Pas le quai à porteur, mais le nouveau truc. Alors ici. Autorité, c'est le moment peut-être. On est en période de crise. C'est le bon moment. Pour pousser un petit peu. 60, c'est pas assez. Ah, mais il vote déjà pour. Rechercher. Soixante-neuf, allez hop, voter. Les milices du gouverneur. Ça est passé. Socle de reconquête. Faudra le promulguer. Relation dégradée avec les évolutionnistes. Génère de la confiance. Maintenir l'hôpital et le district principal réduit légèrement les maladies et les absences pour maladies. Ouais, mais les garde-fous, ils vont devenir encore plus vénères. Je préfère ça. Je veux pas trop augmenter leur ferveur, hein. Ni aux uns ni aux autres, hein. C'est vraiment le pire truc. Ressources, c'est où? Voilà, on réfléchit pas, on lance ce qu'on nous demande. J'ai un peu de fric, tout à fait. Toutes mes réserves vont bien. C'est quoi le nouveau bâtiment? C'est le hangar de récolte et triage.
13 thermotickets de plus. Voilà. Ça c'est fait, ça sera pour plus tard. Je pourrais convoquer le conseil tout de suite. Ils sont pas trop vénères tous. Voilà. En plus, sac de reconquête, ça m'arrange parce que j'ai beaucoup moins de... Voilà, changer une loi pour une autre, puis adopter à nouveau la loi. Bah ouais. C'est tout à fait mon style. Bon, bah, on n'a rien, on n'a même pas froid. Bon, bah. Si on n'a pas froid. Ah, adapté au climat, il y a un niveau inexistant de maladie et de froid pendant 20, je sais pas quoi. 20 semaines à au moins moins 100 degrés Celsius, d'accord. Bah oui. En même temps. On avait fait des réserves, hein. Par contre, la réserve de bouffe, je regrette presque. Oh. Bah oui, j'ai tenu parole. Allez, on va se faire une petite recherche sur plus de chaleur, tiens. On a déjà recherché ça. Les serres chauffées, les scieries, les tours de filtration, les usines de marchandises, les usines de composite, tout ça, c'est des usines. Le chauffage. Liquéfacteur de carbone. De carbone. Amélioration du régénérateur 2. Optimisation de consommation ou injecteur adaptatif. Bon, on y va, on va améliorer. On va quand même regarder s'il n'est pas sur le point d'exploser. Hein. Ça va. Bon. Il y a plein d'éclaireurs qui traînent, et ça, c'est parce qu'on a réduit les besoins en maintenance de tous les endroits. Là, on n'a que des habitations là. Il faudrait qu'on améliore un peu nos districts de nourriture. Parce que c'est le seul truc qui m'inquiète. Là, je vois les réserves de nourriture permanentes qui ne sont pas permanentes du tout. Bon, quand est-ce qu'il fait chaud? Bientôt. Alors. Débloque générateur, optimisation de consommation qui augmente la production de chaleur du type de combustible. Ouais, excellent. Va voir ça. Puis il faudra refaire nos réserves. Alors, hop, hop. Il est la consommation de charbon. D'accord.
Optimisation augmente la production de chaleur du type de combustible sélectionné, c'est tout. Donc c'est moi qui choisis. Bah, je préfère consommer mon pétrole en fait et économiser mes réserves de charbon. Parce que le pétrole c'est du plus ou moins permanent que j'ai. Donc ça m'a servi à rien, mais bon. Continuons. Voyons ce qu'on nous propose. Le pétrole à vapeur et charbon produisent plus de chaleur. Débloque soutien symbiotique et octroie un bonus passif au district résidentiel, alimentaire ou d'industrie lourde. Pas très clair tout ça. On va aller voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, il y en a marre qu'il fasse froid. Du coup, industriel, usine de préfabriqué standardisée. Ouais, mais bon. On les a fait pour faire plaisir aux gens, hein, c'est tout. Ça y est. Ça remonte de combien là? De 20 degrés, on va faire 80. Super. Non, moins 40, ça remonte bien, ça remonte de 60. Ok, bon bah on va refaire nos réserves. Pour le coup, je vais laisser comme ça, je vais laisser les réserves remonter. On va se précipiter pour les remonter, il n'y a aucune raison d'arrêter de les remonter. Pour le coup, ici. Ok. Parfait. Ça, c'est quoi ça? Aucun accès à des ressources. D'accord. Les phoques, non, la marine royale. Carcasse écrasée. Ils sont où mes phoques? Je sais pas. Ça c'est bientôt fini, ça va disparaître. Voilà. Produit du pétrole. Améliorer au maximum. Désactiver, réactiver. Allez hop. On va les assimiler de force. Là, on reçoit du charbon. Ça non. Ça non. Ça on reçoit. Là, on a quoi là? D'hiver, on reviendra plus tard. Ok. Ça, c'est les charbons. La mine du capitaine est désactivée. Un cours d'extraction de pétrole. On en a 5. Ok. Et le troupeau familial, il est désactivé. Ok. Est-ce que le troupeau familial, c'est ce truc-là? Peut-être, peut-être pas. Ça porte pas le même nom, donc on peut pas savoir. Les enfers blancs sont toujours dangereux. Chapitre 3. Si la nouvelle Londres ne peut résister aux enfers blancs, si, très bien. Nous non plus, nous devons faire de Nidivère notre deuxième ville. D'accord. Trouver les ruines de Nidivère. Préparer la colonisation de Nidivère. Ça ne devrait pas être trop dur. On a déjà fait la ligne de métro et tout.
Ganiver ne sera pas une mission musée. Oh, attends. Ok. C'est dans la tempête, on va attendre un peu. Petite pensée. Vous en veulent d'avoir réaffecté leur hôpital en un temple. Oups. Ça m'étonne pas. Après, ils m'en veulent pas plus que ça. Continue. Ça y est, on n'a plus de sous. On va finir de faire du propre ici, dans cette ville. Là, on pourrait passer une loi. Le travail non réglementé. Les syndicats. J'ai promis de passer une loi, moi. Non, pas spécialement. Du coup, je pourrais. Ouais, la loi martiale. Hein. Ou la police secrète. On va faire la police secrète. 38. Marchandises produites en série, on pourrait revenir en là-dessus. Suralimentation de chaleur. Ils aiment bien ça. Par contre, ça ferait que 51. Soutien de l'expédition. Non. Relation. Choisir la prochaine loi et de voter. Ça, pourquoi pas, tiens. Ça fait pile poil 67. Ça vaut le coup pour une petite police secrète. Très bien, et donc les étendiens. Promulguer sur un. Alors, je sais pas, ça sera peut-être pas fait ça. Ils vont encore être déçus. Ça redescend doucement, ça. Régulateur symbiotique. Parce que là tout va bien, comme on dit. 49 par semaine, ça reste beaucoup. Ici. Ça y est, c'est fait, c'est activé. Ok.
Non, je vois rien d'autre à faire. C'est passé, nuit d'hiver, on peut y aller? Pas vraiment. C'est quoi tous ces gens? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. L'enfer blanc est en train de s'éloigner, mais pas très rapidement. Ça aussi, c'est vide. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont chercher du charbon, probablement. Le régulateur symbiotique. Il faut 640 noyaux. Oups. Je savais qu'il fallait bien absolument récupérer tous les noyaux un par un. Je m'en doutais. Pour le coup. Je le savais qu'il fallait toujours choisir les noyaux. Je m'en doutais. Trop fort. Gisement profond. Jurer de vaincre le froid. Ouais, mais non, ça je peux pas. Hein. Accès à la vapeur, chevalet de pompage, mine de charbon avancée. J'aimerais partir plus sur la bouffe. Les serres chauffées, allons-y. À biodéchets ou chimiques. Très bien, alors. Allons-y. 5,70, ça c'est meilleur. 42 chaleur. 20 besoin de chaleur. Insalubrité ou maladie. Utilisation d'engrais, c'est pareil. Et bon, on va faire celle-là. Et on va venir nettoyer un petit peu la zone. Ça au moins, c'est fait comme on dit par chez nous. La nourriture, elle plafonne là, pouf, pouf, pouf. 500, faut couper de la nourriture. Je crois qu'il y en a un gros à 500. Du poulet. On va aller faire un petit saut aussi. Où absolument rien ne bouge. Ok. Ici ça se remplit doucement, là ça se remplit doucement, là ça se remplit vite. Ici on pourrait renvoyer du charbon là, voilà, pour être tranquille. Ok, bon ici on sait, de toute façon c'est calme, hein, ça bouge pas la ville. Hein. On a 400 bonhommes. Ça veut dire que je pourrais faire un institut de recherche. Voilà, c'est tout. Ok, ici. On pourrait faire des matériaux en surplus, mais je vois pas l'intérêt. Je préfère vider les réserves du extérieur. On en envoie beaucoup quand même à l'ouest, là, dis donc. Ah non, les routes commerciales en ont besoin. Ok, les routes commerciales et les districts industriels. Les usines de récupération. Ça doit venir de notre voisin, ça. Ah non, c'est loqué parce que. C'est pas parce que ça vient d'ailleurs, d'accord. Pas du tout. Bah, je vais des explorateurs, mais je sais pas quoi en faire.
D'accord, on a fait le tour du... On a fait le tour du chemin public. Ils veulent toujours pas venir. Point de pression, ni divers. Interdire l'autoflagellation ou ignorer. Oui. Non, j'augmente pas la ferveur des trucs. Jamais. Elle sert à biodéchets. C'est pas eux qui l'inventent, hein, c'est moi. Ah! Soutien d'expédition aura lieu dans 10 semaines. Allons voir ça. Je leur avais dit qu'ils pourraient proposer le truc eux-mêmes. Durée des exploitations. Donc, allons voir cette loi. Ça, je me suis engagé. Quelle loi ça? Service communautaire. Actuellement, je m'en fous complètement. Donc, revenu thermotiquet, soutien de l'expédition. Oui, bon, fait. Alors, ça me dérange tellement pas. Est-ce que je peux modifier la loi? Je ne pense pas. Si, je pourrais. Non, c'est bien ça, ils l'ont proposé eux-mêmes. Ben, allez, votez. The proposed law has been approved. Merci. Je vais voter là, je vais faire ça. Alors, les serres chauffées avancées. Quoi ça, la main-d'œuvre automatisée? Les serres à biodéchets avancées. Ben, j'imagine que ça va être ça. Attention, ça, il doit utiliser des nœuds à tous les coups, ouais. Il faut faire attention à pas fabriquer ce genre de choses. Donc, 80 de nourriture ou 100 de nourriture. Maladie augmentée, insalubrité augmentée. Moins de besoin de chaleur. Ça me va, je vais faire ça. Oh non, qu'est-ce qui m'en kikine là? Alors, je pourrais faire des villages ouvriers là-dedans. Dans les extractions. Tiens là. Il y a un niveau inexistant de problème pendant 50 semaines. Oh, bah oui. Paradise City. Avec une population d'au moins 15 000. Bah, elle est à 30 000, gars. Un autre village ouvrier. J'ai pas assez de thermotiquet, je suis trop pauvre. 57 par semaine, pourtant, ça pourrait être correct. Très bien. Qu'est-ce qu'ils veulent ici? La ferveur des émissionnistes diminue. Excellent! Excellent! Ça veut dire qu'ils sont tous contents sauf les Londoniens. On fait ce qu'on peut. C'est tout doré de partout. Il va faire plus froid. Je m'en fiche un peu. Pour le coup. La loi sur alimentation de chaleur. Comme tout le monde même, non, mais après ils vont devenir trop vénères. Ils sont vraiment super vénères. Je vais attendre cette semaine pour essayer de passer ma loi. Ça y est, il parle à l'hiver blanc là. Donc j'ai pas que ça à faire moi. On va passer dans la tempête, on va attendre. Hein. Et là, mon expédition, je vais voir ce que ça donne.
Allez? Très bien. Prendre des fourrures. Ouch. Ah ben oui. Ben voilà. Hop là, 150. Pas encore assez. On va attendre une semaine. Je crois que c'est jour 2 qu'on est payé. Bientôt à court, les scieries des hommes des bois. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de. D'expédition, mais bon. Pas pour autant que je vais les enlever. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils font un tunnel là? Ouais, besoin de chaleur augmente un peu. On va aller voir dans la ville ce que ça donne. La serre à biodéchets. On est au max là-haut, là où on est bloqué. Matériaux, charbon, matériaux, usine de marchandises, usine de composites. L'étendue, on a tout fait. La ville. On pourrait aller vers l'alcool. On a de l'efficacité, prévention de la famine. Idée radicale. Mais attends, 2 secondes. J'ai le droit de regarder quand même. C'est quoi ça? Établissement dans lequel une clientèle privilégiée paye rubis sur l'ongle des divertissements de luxe. Ça génère des. Ça fait baisser la confiance. Éradication de la pauvreté. Idée radicale. Camp de travail. Ben voilà, c'est pratique. Camp de travail pour éradiquer la pauvreté. Centre de marchandises. Ah bah ben, tu m'étonnes. Tension augmentée. Ouais, c'est assez radical tout ça. Hein. Contrôle du lieu de travail. Direction indépendante. Hein. Production de ressources significativement augmentée. Ouais. Société, médicaments, procréation. Irakel, faiblement augmentée, maladie significativement diminuée. C'est bien ça. C'est quoi l'idée? Nous sélectionnons les plus forts et les obligeons à procréer massivement. Ah bah. Ouais, mais alors ça dépend si je suis costaud ou pas trop, quoi. Moi, si je suis costaud, je suis à fond pour. Hein. De toute façon, je suis le capitaine. Donc le capitaine, c'est lui qui décide. Ok. Donc nourriture, maladie vers là-bas et ici, croissance démographique au corps. Criminalité. On va faire les prisons, je pense. Alors, des prisons punitives, de rééducation mentale, d'isolement. L'isolement étant la norme, significativement diminuée. Tension légèrement augmentée. Augmente de 500 la capacité de détenu. Augmente de 500 la capacité de détenu. Parfait. Débloque des districts, mobiliser gardiens de prison. Conscrire des détenus. Mobiliser gardien de prison. Donc là, c'est un truc spécial qui fournit davantage de patrouilles mais réduit l'effet de la prison sur la criminalité. D'accord. Fournit davantage de patrouilles mais réduit. Bah, c'est pareil. L'effet de la prison sur la criminalité. Donc c'est exactement pareil. 400 de main-d'œuvre. Confiance légèrement diminuée. 400 de main-d'œuvre. Tension légèrement augmentée. Mais criminalité considérablement augmentée. Ouais, j'aime bien ça. Zéro criminalité, quoique. Les autres.
Celles-là n'ont pas de malus en fait. Je pense que c'est la meilleure solution. Pas de malus, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Ça donne des bonus sans donner de malus. Si on cumule ça tout le temps. Ah, un petit rassemblement de soutien de qui? Les gardiens de la foi. Alors qu'est-ce qu'ils vont me donner? La main-d'œuvre, des thermotickets, des prières. Et faites des prières pour moi. Priez pour moi. Ma confiance, ça va être au max. Sûr qu'un achievement si j'arrive à aller au bout de. Max de la confiance. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était l'épisode du matin. On va être à la recherche de l'univers. Pour l'instant, c'est juste qu'on ne peut pas y aller parce qu'il y a le truc blanc qui passe par-dessus. Mais sinon, bah, tout va bien. Hein. On a fini nos explorations du monde, a priori. On n'a presque plus rien à relier, à augmenter. Et on va pouvoir vider les ressources du monde pour le coup. Hein. Et voir comment ça se passe, mais bon, on va pouvoir se consacrer ensuite à l'univers. Faudrait que je commence à collecter un petit peu les thermotickets et pour pouvoir construire rapidement à l'univers. Mais je pense que juste avant de partir, je vais aller faire la merde ici. Va me donner des thermotickets. Toi aussi. Toi aussi. Voilà. Enrôler la milice du gouverneur. On va augmenter la confiance encore. Et hop, tiens. Eh ouais, les prières du soir. Bon, on est pas mal. Il y a d'autres pouvoirs normalement hein, sur les. Ils doivent avoir un pouvoir. Déradicaliser, non? Les évolutionnistes, ah oui, je vois ce que c'est. Financer des projets, soutenir condamnés, nommer une police secrète, demander de l'argent. Ouvrier amélioré, voilà. Production de ressources, hop là. C'est leur pouvoir, ça leur donne des gens en plus, mais bon, ils étaient déjà beaucoup. Hein. Ils sont 313 de plus, mais ils sont 3600, ah ouais. Allez, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, et à tout de suite pour la suite. Thank you.